sous l'influence de la cuisine asiatique, le var susu ou le rimu de Madagascar a évolué pour devenir le varemnan. En gros, c'est le chok chinois. Cette version salée de la recette initiale est par ailleurs très appréciée sur les hautes terres de Madagascar. On peut le manger telle qu'elle est ou encore accompagnée du poisson frit, de poulet frit, de l'omelette, de l'œuf sur plat, des boulettes de viande, et même des pommes frites. Et surtout, traditionnellement, on a de la bonne saucisse casse ou encore du kitouz ou de la viande boucanée. En général, dans les hauts plateaux de Madagascar où les hivers sont froids, le varemnan est un petit déjeuner très apprécié et aussi très réconfortant. Vous allez vous demander, le varemnan c'est quoi? Afin de répondre à cette question, je vous embarque pour une escapade gourmande à un Batfutskar où Tutulalao, propriétaire d'un hôtel Tsmisksu, va nous parler de la recette d'un très bon varemnan. Êtes-vous prêts pour ce voyage délice? Eh bien, si vous dites oui, nous allons ensemble. La soupe de riz auprès de Madagascar, c'est sur Canal Austral et c'est parti! Profiter d'un voyage culinaire inoubliable vers un pays où les saveurs sont aussi multiples qu'exquises, Madagascar est la destination idéale. On voyage vers le sud sur la RN7? Certaines spécialités locales ne sont pas à manquer. Première halte obligatoire, un Batfutskar, un endroit plein de charme situé à 21 km au sud de la capitale. Comme ses cousins, à savoir le varsou ou le sabed, il a tendance à avoir une consistance presque liquide qui se ressemble beaucoup à la soupe. Le varemnan, c'est en quelque sorte la version la plus traditionnelle des petits déjeuners malagas. Un plat très apprécié à Madagascar,
selon les envies, les goûts de chacun, voire même certains us et coutumes comme le fadi ou tabou, le varemnana peut se cuisiner de différentes manières. Ici, en Batfouti, la famille de Madame Lalo se perpétue dans cette activité de hôtel Tsmisksou depuis plus de 3 décennies. Elle a revisité le plat qu'ont fait ses ancêtres en y apportant sa touche personnelle, dans les saucisses gas surtout. Nous avons des sacs naturels, des sacs gas, des sacs mis fangaron, Pour réaliser un bon varemnana, le mieux c'est d'utiliser le riz rouge de Madagascar qui va donner plus de goût à notre plat, puis agrémenter de bread, gingembre râpé, du beurre d'ail, de la tomate, de pommes de terre en dés ou encore des mini crevettes ou chevaquines et tout ce qu'on a en fait. À la base, du riz rouge avec des bread hachés font bien l'affaire. Ce plat savoureux s'accompagne de différents mets. Toutou Lalo va nous parler de sa recette de varemnana. Ochino farkas?
Fitunjato kapok. Fitunjato bomba no full kapok. Full kapoka. Ele faz italiano na tele far, que far timo que só não faz nada que ele. Se só vão querer fazer ovo, faz só três san le far, que manco me era com uma far que é isso. Não lhe acuti a la luce. E é matéria que pe far tudo na far que é tudo na matzi pe. O cara tá olhando cá, que a Maria tá bracinho feio. Zane aleran zato mangucha kape, faleran fo mana mandef defin defan rutsa kalefa, derefa fioma, peta kai kile omni timembi fulumni chati rutsa kanzele ana, zawi zole tu efare fa masa zawi tanare zau, peto maso inchi lian fiki, defa luara na futsini sis, zanso sis zane to mafana fona timi ale tambo fata. Jour sur 7, la soupe de riz au bread servie avec de très bonnes saucisses malagas et autres mets sont au menu chez Toutou Lalao. Le tout pour un tarif de 2000 arrières. Elle n'utilise que de bons produits tout frais pour ravir les gourmets. Chez elle, on redécouvre la gastronomie malagas dans chaque bouchée. Para fazer isso tu vai na rotunda farca se fane manala lundiu farca se tu tá na na famo para manana embolau tara ni vitamina se ne ela machinza e ela ina marani se tiver te ajudar tu anda fazer tiro na saca fogo natural na missa no tu para te telefone ni senta se mambule até isso fona manata te amneti saman e faki lhe afetam se missa natural na missa antes fangar Tunggu tiada nas farkias, saya mesti tutup tanah. Mau yang kuntilan apa patir oleh farkias sana. Hari faham awak setiap awak show, anti mila finiawa na penias, mila fareta. Marna we misi ni manafto na misi mtaba kapa. Enoti mila testa wa mila fuspor, fona te mila miyeza katsara te tkiv, kiv miti. Te tmila mpeta, peta kareva mana wa masa kwa mila tse 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 manda kareva indena indena fa mfatiwa na reto. Sei fo. Nene isa nse miti nefa amita neta msa yeto. Faria mnana na hazu wana maraina atondo arif. Sei tse mano farumaina, sati sei tse mano kusumiti mako te tse mano farumaina ato. Fa faria mnana na fona na miti yeto. Tem uma casa, tele, saca fuma e vai vane, vou te ne compuse, missão, de farem na na moça, tem na isieto arle sossis. Cês ané ou na panda lhe tem bat food, tem pa que ele a mamãe lá lhe tem bat food sei. Le pandalet saya bisa kafe tuan, sama tu tena warna itu apa yang mana? Loka sosis tu zatkin, antena loka warna itu sana tu sosis, sana tena mati kalau le sosis. Nacar pencak tu zane tempat food, fari, fari empat kasmi nacar amitun fari, sana mati food, sisi batu, sisi tepi aku, sisi aku tu mici musa, mati cara tu walaupun sakafu atau nasiat. Sadun sakai si refafun la cara tawol. Fidne amrar tim rari anchu asu asu antu kacara wanula recharet. Ruari variat temina bar sosis. Odo. Masa kafe far. Eh anda perle masa ada fina kisaran reni area. Iya. Cera nari. Pecah. Pecah.
Vidiny antonony raha dinihana amin'ny vidin-javatra rehetra dia antonony izany ny vidina sakafo eto. Roa arivo dia mihinana vary amin'anana saosisy. Vary gasy tsara miaraka amin'ny anana. Matsiro, tena matsiro. La population malagasse est très friande de riz, une denrée qui fait partie de nos aliments de base. Consommé 3 fois par jour, le riz peut se préparer sous différentes manières. On démarre notre journée en prenant un bon varem nanana saucisse gasse, ces petits délices du quotidien dont raffolent petits et grands. Bon appétit, mastou manage. Full metatra mialeo amin'ny area izany misy anay a miakatra kely fasin'ny pipilifona eh manetana tsika na hitsangatsanga na nandeha madika na norara dia eto foana izay mandray anareo tongava fafa ihany mihinana vary amin'ny anana saosisy izay nasaka tsika teto tamin'izay manentana anareo tany izay rehefa mandalo eto Ambatofotsy ka hisakafo a dia mandalova eto amin'ny tsimisy kisoa atao matany lalao tsy misy kisoa ny sakafo ato tsy voatery hoe fadikisoa ihany nareo akory vo hititratra na tsy fadikisoa ary dia manentana hisakafo karazana sakafo ato be dia be vary aminany na lasopy composé tsara be daholo tombotrombony aza ny lasopy dia atody dia manentana antsika izany mba hitsofoka ato vidy fa tena tsara ny sakafo. On connaît les spécialités culinaires malagasses, revisitées ou encore cuisinées selon les recettes traditionnelles de l'île Rouge. La grande île dévoile de nombreuses facettes, donc sa cuisine est unique en son genre. Quand vous passez ici à Madagascar, venez donc découvrir les recettes traditionnelles malagasses, venez découvrir le menu gourmand et aussi tout frais de la marmite de l'île Rouge. Une chose est sûre, vous allez aimer, vous allez adorer. Et pour ça, les hôtels, comme ici donc, ou les restaurants locaux sont l'endroit idéal pour les goûter différemment. Les plats pourraient être présentés de façon simple, mais le goût est divinement délicieux. J'espère bien que vous avez pris plaisir à regarder cette émission spéciale Petit Déjeuner de Madagascar. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre thème toujours intéressant et avec des belles rencontres. Je vous dis à très bientôt et bonne continuation avec les meilleures émissions de Canal Austral TV. Manja pion nage!